Son infirmière, c'est un chef, elle faisait le coup, et moi ça me mettait mal à l'aise. Elle dit, va chercher mon sac. Alors je savais, elle va vouloir encore donner des sous. Et ça c'est gênant, parce que comme les gens, trop fidèles, elle ouvre le sac, elle dit à son infirmière, et amie, hein, alors avec des gens comme ça, comme elle, pendant la misère. Elle dit, bah, tu as bien été à la banque ce matin. Elle dit oui, elle dit, tu as retiré 5 000 francs. Elle dit, il n'y a plus de 3 000. Elle me dit, bah, écoute, tu n'auras que 100 000, je vais te donner 200 000. Elle dit, tu n'auras que 100 000. Mais je dis, mais moi, je ne veux rien, je faisais des ménages, je vais prendre de le dire. Hein. Et j'ai une petite qui est handicapée, je l'ai élevée toute seule parce que le papa est mort. J'ai une petite qui est trisomique, on n'en parle pas. C'est peut-être pour ça qu'on a honte de moi. Et moi, je n'ai pas honte de ma fille. Hein. Voilà. Et ça, ça surprend parce que. Et elle, qui ne parle pas beaucoup, elle chante toujours au Milord. Et elle chante, non, la refait, vous savez. Non, rien, non, rien. Voilà. Alors que je crois que je suis un petit peu exclue pour ça. Et je vous dis, on lui avait déjà fauché 2 000 francs. En l'espace de 2 heures qu'elle était allée à la banque. Et ça a toujours été comme ça. Alors, ma mère, elle lui disait, mais tu te fais voler. Oh, je m'en fous, je sais qu'il y a des voleurs autour de moi. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je m'en fous. Voilà. Et elle est morte, elle avait quand même pas des dettes. Elle avait Écoutez, elle avait quand même une villa, elle payait 1 500 000 par mois. C'est pas Théo qui payait, hein. Elle avait rien, il était coiffeur. C'est Edith qui payait, donc elle avait quand même de l'argent. Non, faut pas. Non, non, ils ont dit beaucoup de choses. Je veux dire, se droguez pas, ça je peux vous jurer sur sa peau, mais se droguez pas. Alors le film, ils font voir la piqûre avec du sang, ils recouvrent. Mais c'est une honte d'avoir fait un film comme ça. Moi, j'y suis pour rien, hein. Parce que comme ils sont donnés au dernier vivant, ils ne m'ont pas demandé mon autorisation à moi de faire le film. Ils l'ont demandé à la famille Sarapo, et je n'y vois pas. Et quel est votre meilleur souvenir avec Edith? Eh bien, c'est quand j'allais la voir avec papa, surtout. Je dis que j'allais la voir avec papa. Et puis. Vous allez la voir où? Au spectacle? Oui, chez elle. Ah, chez elle. Alors, chez moi, elle. Merci.